Je vous demande juste un peu d'humanité. C'est pas grand chose, un peu d'humanité. Moi, des droits d'enfant, de crédit. Si vous me tirez, je suis pendu. Alors comment je vais faire, hein? Vous pouvez me faire une retenue sur salaire. Enfin, Clara, puisque je vous dis que c'est. Il a transformé un EHPAD en Fermaclic. Il obligeait les vieux à cliquer toute la journée pour lui mettre des étoiles. Non, mais comment c'est possible? Bah, il s'arrangeait avec le directeur. Il le payait en bourriche d'huîtres. C'est ça, Hervé, hein? Ah, mais j'en sais rien. Je découvre comme vous. Je trouve ça absolument pathétique. Alors, qu'est-ce que ça te fait d'assister à la mise à mort de ton frangin boomer? Parce que c'est terminé pour lui, là. C'est dommage, hein, si seulement il y avait eu un vrai syndicaliste dans cette boîte. Mais ça fait un choc, quand même. Ouais, on va quand même voir une baisse du taux de bloc de beauf et de main au cul. Je compte sur toi pour l'aider à vider son bureau. Clara veut que ce soit fait dans la journée, donc. Mais enfin, pourquoi moi? Tu sais bien. Parce que vous êtes censés être des amis de 20 ans, parce que tout le monde a autre chose à foutre, et puis parce que je te le dis. Mais enfin, c'est plus mon pote, vous savez très bien ce qui s'est passé entre nous. Moi, j'ai plus rien à voir avec ce mec, hein. Heureusement que t'étais pas dans la résistance pendant la guerre, toi. Sinon, il y aurait du strudel à la cantine. Allez, tu me fais un petit cleaning version friendly sympa, là, comme tu dis, avec le smile positif, tout ça. Enfin bref, allez, vas-y, champion. Bon, allez. Eh bien, continue, Jean-Claude, hein. Ah, ta gueule, hein. Aussi, oui. Syndicat, mais quel syndicat, t'as de ces mots? Enfin, t'es indéfendable, Jean-Claude. Ça fait combien d'années que tu sais même plus ce que tu vends? Et alors, j'ai jamais vraiment su ce que je vendais, Weber. Ça m'a pas empêché d'être numéro un. Enfin, avoue que t'as été un peu dépassé par le virage numérique, hein. Moi, dépassé dans un virage? Ah, joue pas à ça avec moi, hein. Bon, d'accord. Une fois, peut-être. Une fois. Mais bon, ça confirme quand même. Ça confirme quoi? Le compteur Linky, la 5G qui rend les gamins pédés, la soi-disant mort de Johnny. Et puis on a marché sur la lune aussi, je continue? Non, non, c'est bon, t'as bien résumé. Bon, écoute, Jean-Claude, t'es choqué, t'es bouleversé, je le comprends. Allez, viens, je vais t'aider à faire tes cartons. Viens. Mais qu'est-ce que je vais devenir, Weber? Parce qu'à 60 pieds, je retrouve pas du boulot comme ça. Hein. Il suffit pas de traverser la rue. Ici, j'étais bien. Oui, oui, Jean-Claude, arrête, tout le monde te regarde. J'avais du chauffage, viens. Une petite famille. Je sais. Non, non, mais c'est horrible ce que tu me racontes, Maëva. Mais le pauvre, il doit être effondré. Attends, attends, je te mets sur haut-parleur, hein. Bon, j'imagine que vous lui faites un petit pot de départ, quand même. Ben non, il n'y a rien de prévu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viendraient, d'ailleurs. Mais c'est pas une raison. Pas de départ sans pot de départ, enfin, quand même. Non, mais on est peut-être les derniers pions sur la cordée, mais on en reste des êtres humains. C'est une vie. Oui, bon, écoute, on s'organise, on appelle les autres pour ce soir. D'accord, Maëva? Bisous. Bisous. C'était Maëva. En fin de journée, on passera voir Jean-Claude pour son pot de départ. T'en crevais. Attention, Jean-Guy, je vous mets à la sieste. Voilà, j'aime mieux ça. Tout patron que vous étiez, c'est quand même la moindre des choses d'aller saluer un de ses anciens employés. Sage, Jean-Guy. Sage. Allez. Compote. Compote, allez. Comment on a pu en arriver là? Oh. Comment tu as pu en arriver là? Nuance! Mais regarde-toi, Weber. Tu t'habilles en 14 ans. Avec tes pulls en plastique et tes cheveux teints. Mais t'es autant à la ramasse que moi, mon pauvre garçon. Oh, oh Véro. Ma petite femme. Qu'est-ce que j'ai pu l'aimer, cette gonzesse? Oh, t'as de ces mots parfois. 2003, c'est déjà si loin, comme si ça n'avait jamais existé.